Voir le nombril de la femme d'un flic n'est certainement pas un spectacle qui, du point de vue de l'esthétique, puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans malice, brûlant de contempler le nombril de la femme d'un agent de police. Je me fais vieux, gémissait-il, et durant le cours de ma vie, j'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de femmes de croque-mort, nombril de femmes de bougnat, femmes de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de police. Mon père a vu, comme je vous vois, des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois de ceux des femmes d'inspecteurs les charmes. Mon fils vit le nombril de la souris d'un ministre de la justice. Et moi, je n'ai même pas vu le nombril de la femme d'un agent de police. Ainsi gémissait en public cet honnête homme vénérable, quand la légitime d'un flic tendant son nombril secourable lui dit: je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice, vous faire voir le nombril enfin de la femme d'un agent de police. Alléluia, fit le bon vieux, de mes tourments voici la trêve. Grâce soit rendue au bon Dieu, je vais réaliser mon rêve. Il s'engagea tout attendri sous les jupons de sa bienfaitrice, braquer ses yeux sur le nombril de la femme d'un agent de police. Mais hélas, il était rompu par les effets de sa hantise, et comme il atteignait le but de 50 ans de convoitise, la mort, la mort, la mort le prit sur l'abdomen de sa complice. Il n'a jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police.